Bonsoir tout le monde, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo, ça, nous allons résoudre ensemble avec moi un exercice complexe qui est déjà proposé dans l'examen. Donc, c'était dans l'année 2019. Et donc, avant que nous continuions, laissez-moi nous abonner avec Chanel si vous pouvez faire ça, like vidéo hein, s'il fait nous plaisir et partager le lien. Sans tarder, nous allons passer pour nous capables faire résolution. Hein. Car ouais, c'est une équation complexe qui est nous. Donc, dis-nous pour nous résoudre dans l'ensemble C, qui c'est l'ensemble des nombres complexes. Et pour petit bien lui-même, il parle nous de forme trigonométrique, il parle nous de point d'affixe. Donc, sans tarder, nous allons passer pour nous faire résolution. Nous répondons ensemble avec question, ok? Kounia, nous allons calculer delta. Donc, nous avons gagné delta, qui est égal, c'est b carré, moins 4, ac, ok? Dans le cas là, a égale avec 1, b égale 2, c égale à 2. Donc, nous avons dit delta égale, c'est 2 au carré, moins 4 fois 1, facteur de 2. On a fait le calcul, on a gagné delta égal C4 moins 8. Ok, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8. Donc, ça qui fait, nous allons gagner delta qui égale moins 4. Ok. Pas oublier, les nappes résoudre une équation second degré dans l'ensemble C, nous avons 3 possibilités. Première possibilité, c'est si delta égale ensemble avec 0, on a gagné racine qui double. N'a gagné z0 qui a égal avec moins b sur 2a. Donc, solution ça lui-même là, on réel. Deuxième possibilité, c'est si delta supérieur à 0, n'a gagné 2 racines distinctes. Donc, c'est toujours 2 racines réelles que y a. Donc, nous connaissons ça assez bien. Troisième possibilité à lui-même, c'est si delta inférieur à 0, n'a gagné 2 racines distinctes, mais qui a deux nombres complexes conjugués. Donc, deux solutions ça lui-même, y a ensemble c. Ok, donc nous capables là, il dit nous z2 a égal ensemble avec z bar 1, c'est-à-dire z2 a égal ensemble avec conjugué de z1. C'est deux nombres complexes conjugués. Là, lui-même est inférieur à 0, n'a toujours gagné deux racines distinctes, mais qui c'est à deux nombres complexes conjugués. Donc là, nous allons mettre delta sous une autre forme pour nous capables joindre racine carrée de delta pour nous capables calculer z prime et z second. Et bien pour nous joindre là, nous mettre delta sous une autre forme. N'a dit delta égal moins 1 à multiplier par 4. Donc ça, c'est toujours même bagaille. Moins 1 égale ensemble avec i carré. Donc, m'a gagné delta qui égale 4 i carré. Donc, pour me joindre racine carrée de delta, puisque n'a gagné besoin, n'a dit c'est racine carrée de 4 i carré. Ça qui fait, nous allons gagner racine carrée de delta qui égale 2 i. Nous allons calculer deux racines. Nous allons gagner z1 qui a égal moins b, moins radical de delta sur 2a. Et bien, nous seulement remplacé par valeur, nous avons gagné z1 qui égale moins b. Pas oublier, nous avons dit nous b, c'est 2. Donc, nous avons gagné moins 2, moins racine carrée de delta qui c'est 2i. Le tout sur 2 fois 1, puisque nous avons dit 2a. A égale ensemble avec 1. Et là, nous avons factorisé par 2. Donc, nous avons gagné c2, facteur de moins 1, moins i. Sur 2. Donc, on simplifie par 2, on a gagné z1 qui égale moins 1, moins i. Et pour nous, je joindre z2, c'est seulement signe qui devant racine carrée de delta qui changeait. Donc, nous toujours gagné moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, b c'était 2, donc nous gagnons moins 2 plus 2i sur 2. Donc, nous allons factoriser par 2 encore. On a gagné 2 facteur de moins 1 plus i, le tout sur 2. Donc, nous simplifions par 2, on a gagné z2 qui égale moins 1 plus i. Donc, nous sommes capables de conclure, l'ensemble solution, c'est moins 1 moins i, moins 1 plus i. Pour nous faire suite, petit bien, t'es parlé nous de point d'affixe. Donc, nous connaissons un nombre complexe qui même est sous forme algébrique, alors il est sous forme A plus IB. Donc, pour faire point d'affixe en lui-même, donc, nous avons le A, c'est parti réel, là, pour qui c'est A, et pour prendre partie imaginaire, là, qui c'est B. Et puis, vous formez un point ensemble avec lui. Eh bien, c'est ça que nous faisons là. Là, partie réelle, là, c'est moins 1. Et partie imaginaire, là aussi, c'est moins 1. Donc, nous faisons point d'affixe, là. Et de même pour Z2. Donc, nous seulement baillons. Après, il était dit, nous, pour nous bailler, forme trigonométrique Z1 et Z2.
et pour nous bah aussi forme trigonométrique z1 sur z2. Forme trigonométrique z1, n'a dit c'est module de z1 cos theta 1 plus i sinus theta 1. OK? Donc module et puis theta 1 lui-même c'est argument. Donc nous pourrions chercher module là. Donc nous connaissons module z1 lui-même là égal racine carré de a carré plus b carré. A c'est partie réelle là plus b partie imaginaire là. OK? Et puis nous avons module de z1 qui égale racine carré de a. Donc pas oublier partie réelle de z1 c'était moins 1 plus facteur de moins 1 aussi au carré, puisque partie imaginaire là c'était moins 1. Et là nous gagnons module de z1 qui vient égal racine carré de 1 plus 1, qui fait nous venir gagner module de z1 qui égale radical de 2. Nous allons chercher theta 1. Donc pour nous jouer theta 1, on a passé par cos theta 1 et puis sinus theta 1. Après ça, pour nous capable faire choix de argument. Donc pour nous jouer cos theta 1, c'est partie réelle sous module. Donc c'est-à-dire partie réelle là, pas oublier c'était moins 1. Donc n'a gagné c'est moins 1. Radical de 2. Et pour nous jouer sinus theta 1, c'est partie imaginaire là qui était toujours moins 1 sur radical de 2. Donc on y a là, nous pas qu'à quitter comme ça, faut que nous rendions rationnel. Donc nous va venir gagner cos theta 1 qui va venir égal radical de 2 sur 2. Et puis sinus theta 1 qui va venir égal aussi moins radical de 2 sur 2. OK? Donc là qu'on a nous pas capable faire choix de argument. Donc pour nous faire choix de argument, donc il dépend de signe là. Donc lorsque moi ouais cos négatif sinus négatif, ça signifie que moi dans troisième cadran. N'a pas capable ouais dans troisième cadran pour me faire choix de theta, m'a dit c'est pi plus alpha. Alpha lui-même c'est valeur que nous ouais dans tableau 1. Alpha égal avec pi sur 4, OK? Donc si regardez dans tableau 1, côté sinus égal racine carré de 2 sur 2 et pour cos égal racine carré de 2 sur 2 lui-même c'est pi sur 4. Donc n'a bien c'est pi plus pi sur 4. Ça qui fait nous allons gagner theta 1 qui va égal n'a fait 4 fois pi qui va nous 4 pi plus pi sur 4. Donc theta 1 égale 5 pi sur 4. Kounya nous capable joindre forme trigonométrique z1. Donc n'a dit z1 lui-même c'est module qui c'est radical de 2 facteur de cos 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. Pour nous jouer une forme trigonométrique z2 à lui-même, c'est facile par rapport ensemble avec premier nombre complexe noir. Donc, pas oublier, moi te dis nous, une c'est conjugué l'autre. Et bien, lorsque vous avez deux nombres complexes, une c'est conjugué l'autre, module, mais argument est opposé. Donc, là, moi te gagne theta 1 qui égale pi plus alpha, et bien, theta 2 lui-même, là, égale pi moins alpha. Et bien, là, n'a toujours gagné module de z1 qui a égal ensemble avec module de z2, donc c'est radical de 2. Mais pour theta 2 lui-même, eh bien, m'a gagné theta 2 qui égale, et bien, m'a gagné theta 2 qui égale moins pi sur 4 plus pi. Eh bien, n'a vin gagné theta 2 égale, donc ça va venir moins 4 pi moins pi sur 4. Eh bien, theta 2 égale 3 pi sur 4. Eh bien, on a dit Z2, forme trigonométrique là, c'est module là qui c'est radical de 2, facteur de cos 3pi sur 4, plus i sinus 3pi sur 4. Tout simplement. Dernier, ça va te dire nous, c'est pour nous te bailler forme trigonométrique Z1 sur Z2. Donc, c'est module Z1 sur module de Z2. Donc, on a gagné Z1 sur Z2. Module Z1, c'était radical de 2 sur 2. C'est de même pour module Z2. Et puis, nous mettez crochet, cos, theta 1 moins theta 2. Okay? C'est-à-dire, argument premier, hein? Pas oublier, argument nous, c'était 5 pi sur 4. Moins, argument Z2, qui c'est 3 pi sur 4. Plus i, sinus, même bagaille là, 5 pi. Sur 4, moins 3pi, sur 4. Et puis, on a dit Z1 sur Z2 égale. Donc, ça va être 1,
cos 5 pi moins 3 pi ça va le bail 2 pi sur 4. Donc puisque là on gagne même des nos plus i sinus 2 pi sur 4. Et puis là nous allons simplifier par 2, on a gagné cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc puisque le module lancé un qui est lié, nous pas trop besoin inquiéter nous, donc ça c'est forme trigonométrique z1 sur z2.